Second débat tout de suite consacré au cabinet de conseil. Le Sénat vient de faire une proposition de loi directement issue des travaux de sa commission d'enquête. Objectif, mieux encadrer le recours par l'État à ses experts privés. Samia De Chir. Leur commission d'enquête a révélé l'ampleur du recours au cabinet de conseil par l'État et ses opérateurs. Plus d'un milliard d'euros en 2021, soit deux fois plus qu'en 2018. Les sénateurs veulent encadrer le recours au cabinet de conseil. Leur proposition de loi transpartisane prévoit d'obliger le gouvernement à publier chaque année la liste de toutes les prestations de conseil auxquelles il a recours. Depuis la fin de nos travaux et de nos pouvoirs d'enquête, personne ne connaît la liste des prestations de conseil en cours, ce qui est de nouveau et déjà un problème. La transparence repose désormais sur le travail des journalistes qui saisissent la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir des informations que l'administration refuse souvent de leur donner. Plus de transparence et de déontologie. Pour éviter tout conflit d'intérêts, le Sénat veut confier une mission de contrôle des cabinets à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et pour plus de traçabilité, tout document élaboré directement ou indirectement avec un cabinet de conseil devra en faire la mention. Nous souhaitons également éviter toute confusion entre les cabinets de conseil d'une part et les fonctionnaires d'autre part. Un consultant n'est pas un fonctionnaire, il nous semble utile de le rappeler au gouvernement. À titre d'exemple, les cabinets de conseil ne pourront plus utiliser le logo de l'administration pour rédiger leurs livrables. Les sénateurs proposent aussi la destruction systématique des données confiées aux cabinets de conseil sous le contrôle de la CNIL. Les 16 signataires issus de tous bords politiques ont écrit à Elisabeth Borne pour lui demander de lancer l'examen de leur proposition de loi dès cet été au Parlement. Et je vous présente tout de suite mes invités. Eliane Assassi, on vient de vous voir dans ce reportage, menant cette, vous n'êtes pas la seule, mais cette commission d'enquête et les travaux pour mener à cette proposition des lois. Vous êtes sénatrice communiste de Seine-Saint-Denis. Bienvenue à vous, bienvenue également merci à Mathieu Courtecuisse. Bonsoir, vous êtes président du cabinet de conseil SIA Partners et président de Syntec Conseil, qui est le syndicat des professionnels de ce secteur. Quentin Calmet, heureux de vous accueillir à cette place. Voilà. Quentin, journaliste à Public Sénat. Bonsoir, évidemment, Thomas. Et vous venez de réaliser un documentaire sur ce thème, Cabinet de conseil, l'État sous influence, avec un point d'interrogation. Ce film sera diffusé ce samedi 25 juin à 17h30 pour la première diffusion. Mathieu Croissando est toujours à mes côtés et toujours éditorialiste politique. Mmh. Quelques chiffres et quelques dates pour commencer sur les travaux de cette commission d'enquête. Les auditions commencent en novembre, 29 novembre 2021, et se terminent le 17 mars. 40 auditions, 47 personnes entendues. 7300 documents recueillis et analysés. Eliane Assassi, vous avez présenté hier cette proposition de loi qui est l'aboutissement du travail de la commission d'enquête. Quel est votre objectif ? Meilleur encadrement, plus de transparence ? Oui, je pense qu'on s'est fixé quatre objectifs. C'est la transparence, vous l'avez dit, c'est... Je rajouterai dans ces objectifs de veiller à la bonne utilisation de l'argent public, bien évidemment. La question de la souveraineté qui est posée, la souveraineté de notre pays. Enfin, un tas d'objectifs qui nous permettent effectivement d'avoir une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité de ce qu'est le recours à un cabinet de conseil privé et de voir effectivement si ce recours n'influence pas les politiques publiques. Je pense que c'est assez clair. Nous avons beaucoup travaillé. Le rapport a été adopté à l'unanimité des membres de la commission d'enquête. Cette proposition de loi que nous avons déposée hier sera signée par l'intégralité des ex-membres de la commission d'enquête. Donc nous avons fourni un travail sérieux, un travail rigoureux, un travail qui a eu de l'écho, un travail qui a investi l'espace public. Beaucoup de gens nous ont parlé de ce rapport ces dernières semaines. Donc je trouve que c'est un sujet d'intérêt public, en fait, d'intérêt général et d'intérêt public. Et on va pouvoir en reprendre. Voilà, on va rentrer dans les détails après, mais évidemment. Je trouve que c'est un travail très, pédagogique aussi, qui a des vertus pédagogiques pour le plus grand nombre d'entre nous. Mathieu Courtecuisse, vous avez participé, évidemment, vous avez été entendu par cette commission d'enquête. Sur le grill, c'est le terme que vous employez. C'était pas si facile ?
Si, si, ça s'était très bien passé. Bon, non, mais c'est juste pour savoir. Est-ce que, sur le, peut-être le constat, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le recours au cabinet de conseil par l'État nécessite plus de transparence? Moi, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est ce sentiment, en voyant les auditions, les résultats de la commission d'enquête ou le documentaire de Quentin, qu'il y avait quand même beaucoup d'opacité. Bah, moi, je pense que le mot d'opacité n'est pas adapté au constat, parce que la réalité, c'est que d'abord, à l'issue de cette commission, nous, on considère qu'il n'y a pas eu vraiment de révélation. Le seul fait nouveau que nous, on connaît au titre de la profession, c'est le nombre de transferts entre les hauts fonctionnaires et le secteur du conseil. C'est une donnée dont on n'avait pas connaissance. On connaissait évidemment des gens, mais on ne savait pas exactement quel était le volume concerné. Et je rappelle que c'est 15 mouvements cumulés dans les deux sens par an. Donc ce n'est pas quelque chose de majeur, puisque c'est moins de 0,3% de l'ensemble des mouvements publics-privés de la haute fonction publique. Voilà, exactement. Donc c'est très limité en réalité. Donc vous aviez pas ces chiffres, c'est ce que vous avez appris. Voilà. Et sur l'opacité, pourquoi vous dites que ce n'est pas adapté ? Non, parce que en fait, d'abord, la profession publie les chiffres depuis plus de 20 ans, en fait, donc, et les chiffres ont été confirmés, même si on a des débats sur le périmètre en question, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la nomenclature et les comparatifs qu'on pourrait faire aussi au niveau européen. Mais nous, ces chiffres, on les a mis à disposition. Là, on les a mis à disposition à nouveau pour l'année 2021, et très peu de journalistes nous les ont demandés. Donc, en fait, ces données-là, elles existent. Alors, elles sont pas au niveau évidemment détaillé bon de commande par bon de commande. C'est évident. Mais aujourd'hui, par contre, les chiffres macro, tout le monde les a. Alors, je reste sur cette idée et Quentin, je vais m'appuyer sur votre témoignage parce que, puisqu'on parle de transparence, il y a une audition qui est vraiment intéressante à raconter, celle du ministre de la Santé, Olivier Véran. Qu'est-ce qui se passe dans les jours qui précèdent, en fait ? En fait, c'est l'une des portes d'entrée du documentaire, effectivement, Thomas, et puisque Olivier Véran est auditionné le 2 février, mais que la commission d'enquête est constituée depuis le mois de novembre et va demander le 10 décembre à pouvoir accès à tous les documents auxquels ont participé des cabinets de conseil privés ou auxquels ils ont eu accès. Et ce qui va se passer, c'est que la veille de l'audition d'Olivier Véran, qui est donc le 2 février, donc le 1er février, très tard dans la soirée, enfin à 19h30, le Sénat va avoir un mail avec 50 gigas de données dans le mail en pièces jointes. Ça représente 5000 documents. Et donc les administrateurs du Sénat, et c'est ce qu'on raconte dans le documentaire, vont essayer de classer un peu rapidement, hein, pour préparer l'audition d'Olivier Véran qui a lieu le lendemain, ils vont se rendre compte qu'aucun des documents du ministère de la Santé, notamment les documents sur la gestion de la crise sanitaire, aucun n'est logoté. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir dans les documents du ministère lesquels ont été fabriqués entièrement par McKinsey, lesquels ont été fabriqués en partie par McKinsey. Je dis McKinsey parce que c'est un des cabinets emblématiques et c'est aussi celui qui a eu plus d'une dizaine de contrats pour notamment gérer la campagne de vaccination. Et donc, lorsque Olivier Véran est auditionné, vous allez lui montrer des documents. Vous allez demander tout simplement à Olivier Véran, qu'est-ce qu'a fait McKinsey sur le document ? Est-ce qu'il a participé un peu ? Est-ce qu'il a complètement écrit le document ? Et les sénateurs, c'est là qu'ils parlent d'opacité, c'est qu'ils n'arrivent pas à savoir ce qui a été fait par des membres d'une entreprise privée ou par des membres du cabinet ministériel. Et pour eux, c'est même juste, on ne peut même pas savoir si le document rendu par l'entreprise privée est de bonne qualité. C'est même juste pour savoir si le livrable, comme on les appelle ces documents, est de bonne facture. Et ça, c'est un problème pour eux. Alors, vous allez pouvoir répondre là-dessus, mais je voudrais... Quelles conséquences vous en tirez dans la proposition de loi, par exemple ? Sur la transparence, oui, sur l'opacité, la transparence, sur le fait de savoir qui fait quoi, quoi, tout simplement. Et justement, nous demandons effectivement la publication, la liste des missions qui sont confiées par notre administration à des cabinets privés, mais aussi la liste des bons de commande, puisqu'il faut qu'on ait quand même la commande. Quelle est la commande, quel est l'intitulé de la mission, quel est l'objectif qu'on veut atteindre et le bon de commande y afférent. Ça nous paraît quand même être la moindre des choses. Et c'est ça que nous appelons aussi la transparence, c'est-à-dire que ce soit connu par le plus grand nombre. Alors, Mathieu Courtecuisse, comment vous l'expliquez, ça ? C'est choquant ? Est-ce que c'est un procédé habituel ? C'est le mode de fonctionnement de toute organisation, en fait, qu'elle soit publique ou privée. Je vais prendre un autre exemple. Le rapport met en évidence le plus gros contrat, me semble-t-il, est le contrat qui a été confié à une société française qui gère le parc des radars. Le parc des radars, oui. Bon. C'est un contrat de 80 ou 90 millions de mémoire. Donc, c'est un très gros contrat. Et donc, il fait l'objet de énormément de bons de commande en réalité. Bon, et donc, je vais donner un exemple très concret, même si c'est pas mon entreprise qui travaille dessus, mais j'ai une idée. Par exemple, il y a un nouveau dispositif de fraude à la plaque d'immatriculation qui se met en place. L'équipe s'en aperçoit, d'accord. Donc, elle va demander en fait
au prestataire de conseil de l'aider à formaliser une réponse à ça. D'accord ? Donc, notamment, à spécifier le système informatique qui va permettre de détecter, en articulant avec de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance de la plaque d'immatriculation. Mais en fait, c'est un travail collectif, parce que ce sont des gens qui travaillent ensemble pendant 2, 3, 5 ans. En fait, c'est des contrats très longs. Et ils sont sur un plateau projet. Et ils travaillent ensemble, main dans la main. Donc, à la fin... Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas le logo des uns ou des autres. Savoir, est-ce que c'est le fonctionnaire qui a fait ceci ou cela, ou est-ce que c'est le consultant, quand c'est un contrat particulièrement long, c'est compliqué à établir. Là, en l'espèce, c'est une réponse à la crise avec aussi un sentiment d'urgence. Je pense que l'ensemble des documents qui vous ont été transmis, c'est des choses qui sont élaborées dans l'urgence. Donc, en fait, la question, c'est une question de l'efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir apporter des réponses rapides à des dispositifs. Et après, si on publie bon de commande par bon de commande, j'évoquais par exemple, si on donne le nom du bon de commande qui est nouvelle fraude à la plaque d'immatriculation ou nouveau type de fraude fiscale, modification de l'algorithme de Parcoursup, des choses comme ça, est-ce qu'on peut mettre en place une base de données publique qui va éventuellement servir à des fraudeurs, qui peut servir en termes d'outils d'intelligence économique à des puissances étrangères? Parce que vous dites qu'il faut un peu d'opacité pour se protéger. C'est-à-dire qu'en fait, il faut... Je pourrais donner d'autres exemples. On l'évoquait juste avant. Vous avez parfois un audit indépendant qui est fait dans un département. Alors là, c'est encore plus compliqué de l'évaluer parce que cet audit, s'il doit être indépendant, si vous lui mettez une note à la fin, l'auditeur lui-même va se dire « j'intègre le dispositif de la note et ça va me contraindre dans mes recommandations ». Donc il faut faire attention au niveau de granularité qu'on va avoir. Ce n'est pas pour être opaque, c'est juste pour être efficace et attentif à de l'information qui pourrait circuler dans des mains mal intentionnées. Un élément, après les premières auditions devant votre commission d'enquête, il y a une réaction du gouvernement, circulaire, on est le 15 janvier 2022, voilà ce qu'elle nous propose cette circulaire, baisse de 15% des dépenseurs informatiques, justification du recours à un prestataire extérieur, évaluation des prestations, pôle interministériel d'achat de prestations intellectuelles, évaluation des prestations, prévention des conflits d'intérêts. Eliane Assassi, on voit ça, on se dit, mais pourquoi il faut une loi? Pourquoi il faut aller plus loin? Non, mais ce que nous avons dit hier, c'est que cette circulaire est en fait un mur de papier. D'abord, il faut rappeler le contexte. Comment est arrivée cette circulaire? Cette circulaire a été connue le jour de l'audition de Mme Amélie de Montchalin, alors ministre de la Transformation publique. Pour nous, il était évident, parce qu'il n'y a rien de contraignant dans cette circulaire, il était évident que l'exécutif était pris de panique devant l'ampleur des travaux de la commission d'enquête et a réagi en produisant cette circulaire qui, franchement, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas contraignante. Donc nous préférons que des éléments soient inscrits directement dans la loi et une vertu légale en prenant appui effectivement sur cette proposition de loi. Cette circulaire, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Mathieu ? On s'interroge parfois sur le rôle du Parlement, surtout en ce moment. On a quand même une splendide manifestation de ce que peut donner le Parlement à son meilleur dans une de ses missions, qui est le contrôle de l'exécutif. C'est notre mission de contrôle, voilà, ça rentre dans notre On oublie que c'est ça le Parlement, avec des sénateurs, ça s'est passé ici au Sénat, des sénateurs de tous bords, et qui ont mis sur la table, c'est vrai, un sujet qui est devenu politique, qui a occupé la campagne présidentielle, parce qu'il coche beaucoup de cases qui ont heurté les Français. Il y a l'aspect gabegie financière qui n'a pas forcément été compris par les Français, parce qu'il y a des sommes en jeu qui sans doute valent ce qu'elles valent. Pour des prestations qu'on peut comprendre que l'État ne dispose pas forcément d'informaticiens à la pointe pour refaire un système informatique. Quand vous dépensez 500 000 euros pour la préparation d'un colloque, là on se dit il n'y a quand même personne dans cet État qui est par ailleurs dénoncé comme pléthorique pour préparer un colloque. Là, il y a peut-être moins besoin de compétences super techniques. Il y a les accusations d'opacité, c'est vrai. Et ça, Dieu sait qu'on est quand même dans une société de la conspiration en ce moment où on se dit il se passe des choses, on n'est pas au courant. Là, c'était la preuve par neuf. Et puis en plus, les allers-retours public-privé, là, c'est le côté ingérence du privé, des intérêts privés dans les intérêts de l'État, plus des puissances étrangères qui pouvaient être au courant. Enfin bref, ça alimentait tout un vrai débat. Oui. Et c'est vrai que ça nécessite une régulation. Et quand on lit cette circulaire, pardon, j'arrête là, mais on se demande pourquoi ce n'était pas le cas plus tôt. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas au moins des principes de bon sens. Je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais je pense que cette proposition de loi, en fait, elle va rendre service au cabinet conseil parce qu'elle va clarifier le sens des missions qui sont les leurs. Et je pense que c'est important. C'est important pour, effectivement, notre administration, etc. Mais c'est aussi important Alors, pour les Alors, est-ce que vous le recevez comme tel ?
Alors d'abord, je signale le point sur le mot de gabegie ou de dépenses importantes, et c'est aussi indiqué dans le rapport. La France, c'est 5 fois moins que l'Allemagne, et l'Allemagne n'est pas réputée comme étant dans une logique de gabegie financière. Pas le même tellement, quand même. Non, mais enfin rapporté. Non, mais rapporté à la masse salariale. Enfin, je parle. Oui, rapporté à la masse. C'est la réalité. C'est votre rapport qui le montre. Donc en fait, bon, il s'appuie aussi un peu sur nos chiffres, mais c'est quand même un rapport de 1 à 5. 1 à 5 avec l'Allemagne. Et je pourrais faire le panache générique avec l'ensemble des pays européens, sans parler des pays anglo-saxons. Donc la France dépense beaucoup moins, enfin le gouvernement français dépense beaucoup moins en conseil que tous les gouvernements équivalents dans les pays de l'OCDE. Par rapport à votre point, moi je pense que quand on lit tout ça, pourquoi en fait ? C'est qu'aujourd'hui il y a eu des marchés cadres qui ont été passés, qui donnaient de la flexibilité d'usage et du recours aux consultants. Donc, un marché aussi, cadre, c'est quoi exactement? C'est-à-dire, en fait, vous faites un appel d'offres une fois tous les X années. D'accord. Et ensuite, vous avez une facilité par le jeu des bons de commande, avec des mécanismes qui vont avec, et qui permettent d'activer facilement. Et c'est utile, notamment lorsqu'il y a une crise, une urgence, etc. Ouais. Bon, une urgence. Donc, et ça, je pense que personne ne peut remettre en cause la nécessité pour l'État, face à une menace subite, de pouvoir répondre dans l'urgence. Simplement, en fait, ce qui est important aussi, c'est que c'est un coût de gestion, en fait, le fait de faire passer des appels d'offres. Quand vous avez des appels d'offres qui sont pour 10 000, 20 000 euros, etc., et que, en fait, toute la procédure d'elle-même d'appel d'offres coûte quasiment autant, que ce soit d'ailleurs du côté des fonctionnaires que des cabinets, très simplement, si on ne calibre pas correctement le dispositif, il y a un risque, tout simplement, des cabinets ne répondent plus. D'accord, ça c'est le. Donc il y aura moins de concurrence. Et c'est pour ça que les cadres existent. Et les prix vont augmenter. Ça c'est aussi une réalité de ce qui va se passer. C'est que plus ça sera compliqué de passer un marché, plus les prix vont augmenter. Et donc on a un souci d'efficacité globale. Donc je dis pas qu'il y a pas eu des missions qui posaient problème. Mais on ne rend pas plus complexe, on régule le système. Si, parce que avec par exemple, si vous mettez en place des comités qui vont, parce que là dans la circulaire il y a des comités en plus. Pour valider l'engagement. Voilà, c'est ça, il y a un seuil. Voilà, ouais. Mais dans le projet de loi, je crois que le seuil avait disparu. Mais si j'ai. Donc là, dans la circulaire, il y a 500 000. Là, dans le projet de loi, il n'y a plus de seuil, il me semble, mais je ne suis pas sous votre contrôle. Donc ça veut dire que le premier euro dépensé, il y aura un comité qui sera mis en place pour valider l'intérêt de la dépense. Ben oui. Non, mais sauf que ça veut dire que vous allez réunir tout un tas de gens, donc évidemment, il y aura moins. De missions. On a entendu cet argument. Ça, si on prend la main une seconde, je vous redonnerai la parole, promis. Oui. Il nous reste du temps dans ce débat, mais je voudrais qu'on regarde un extrait assez emblématique de votre documentaire, Quentin. Ça, vous l'avez évoqué, Mathieu, ça concerne le cabinet McKinsey. Regardez. McKinsey, géant mondial du conseil, présent dans 45 pays du monde. Certaines prestations interrogent les sénateurs. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Notre rôle a été d'accompagner la DTP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec le Centre d'organisation internationale pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché. Près de 500 000 euros pour préparer une réflexion pour un colloque qui n'a jamais eu lieu, je crois que ça peut interroger tout le monde, même ceux qui ne sont pas connaisseurs des affaires publiques. Quentin Calmé, pourquoi il est, on a un peu la réponse là, mais pourquoi il est à ce point emblématique cet extrait ? L'audition de McKinsey, c'est le 18 janvier et c'est une audition qui va être isolée sur les réseaux sociaux, dont les extraits vont être isolés sur les réseaux sociaux et qui vont énormément tourner. L'extrait avec la question d'Hélène Assassi va faire 8,6 millions de vues. C'est Public Sénat qui tweet ça, donc pour la chaîne, on s'est rendu compte qu'il y avait d'un seul coup. C'est très intéressant, c'est ce que disait Mathieu, sur l'intérêt du public pour ce dossier, tout simplement, parce qu'avec tous les leviers qui sont en jeu. Voilà, et tous les contenus qu'on va poster, nous, pour essayer de décrypter ce que commence à mettre à jour la commission, tous les contenus que va poster Public Sénat vont être à chaque fois extrêmement relayés. La moindre interview qu'on va faire d'Hélène Assassi fera 170 000 vues et des choses comme ça. Et juste après cet extrait, c'est là que Karim Tajeddine est interrogé sur le fait qu'il paye des impôts ou non, qu'il va dire qu'il en paye. Et en fait, la commission d'enquête s'est rendue à Bercy. Je crois que vous vous êtes rendu deux fois à Bercy.
pour voir sur pièce et sur place. C'est-à-dire que c'est une des prérogatives des commissions d'enquête. Elles peuvent se rendre dans les ministères. On ne peut pas leur interdire l'accès à des documents. Ouais. Elles peuvent lever le secret fiscal. Le seul secret qui leur reste, c'est le secret défense. Mais donc là, elles ont pu regarder ce qu'avait fait McKinsey ces 10 dernières années. Et les sénateurs se rendent compte que, eh bien, effectivement, McKinsey déclare des résultats négatifs par un système d'optimisation fiscale avec les États-Unis, et que donc le groupe ne paye pas d'impôts sur les bénéfices. Et donc là, il y a maintenant des poursuites judiciaires qui sont enclenchées. Donc là, voilà, la commission d'enquête prend encore un nouveau tour, puisque la justice va s'en mêler, puisque maintenant il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. Mais on voit que dans le temps, eh bien la polémique, elle monte et elle rattrape la campagne électorale, puisque même Emmanuel Macron va devoir répondre. Alors justement, on a cet extrait de la réponse d'Emmanuel Macron. On est le 27 mars 2022, il est sur France 3. 1. Il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus. Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur le non-paiement de l'impôt sur les sociétés. Non, mais là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Mathieu, ce dossier, il n'est pas anodin non plus pour Emmanuel Macron. Ça le ramène aussi à son histoire. À son histoire. Il se trouve que parmi ses collaborateurs, ses plus proches collaborateurs, c'est Mormon, comme on le disait en 2017. Il y a eu des personnes qui ont travaillé pour des cabinets de conseil. Mmh. Il se trouve que lui, en plus, avec la vocation d'incarner la Startup Nation, évidemment prêtait le flanc à toutes ces accusations de mélange des genres, public-privé. Après, il faut évidemment pas généraliser et pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je reviens juste au-delà de l'affaire McKinsey. Pour moi, qui suis un béotien dans cette affaire, 500 000 euros pour préparer un séminaire sur l'évolution du métier d'enseignant dans un pays où on compte 1 million de professeurs, l'administration de l'éducation nationale a tous les services possibles et imaginables pour scruter comment le métier d'enseignant a évolué depuis des années. C'est sûr que pour le Pékin moyen, c'est incompréhensible qu'on ait confié ça à un cabinet extérieur. Alors on peut peut-être dire, ou alors c'est dire, et c'est ça où ça a blessé aussi une partie de l'opinion publique, ou alors ça veut dire les fonctionnaires sont nuls. Ça veut dire, nous qui avions une tradition de haute fonction publique, et je reviens à ce que vous disiez sur la comparaison avec les pays étrangers, dans les pays étrangers, il y a beaucoup de gens qui font des passerelles public-privé et qui sont acceptés, normalisés. Nous, on avait quand même une tradition de haute fonction publique avec des grands corps, des gens qui savaient. Je vais vous redonner la parole juste après. Aller dans le prolongement dans le prolongement. Bien évidemment, ça a froissé beaucoup de gens par l'ampleur et puis le fait que cette mission, bon, on ne savait pas trop ce à quoi elle avait, où elle avait atterri. Mais je crois qu'il y a une rencontre aussi. Une rencontre, parce qu'il y a le texte et le contexte, comme je dis souvent. Une rencontre avec, à ce moment-là, et ce n'était pas voulu de notre part, une mobilisation du monde enseignant. Bien sûr. Donc ça les a profondément heurtés. Et puis, de façon plus générale, la question du pouvoir d'achat qui était déjà beaucoup présente dans le débat public. Mathieu Courtecuisse, il y a cet exemple qui a choqué tout le monde, mais si on essaye de généraliser un petit peu, que dit le client État face à une telle étude? Est-ce qu'il paye quand même? Moi, c'est vraiment une question de base que je me pose, que je me dis, si on a une étude qui ne sert pas à grand-chose, est-ce qu'on paye quand même, quoi? Alors déjà, les consultants seraient vocables ad notum sur des missions longues, etc. Enfin, si ça ne se passe pas très bien... Oui. Tout de suite, le client, l'acheteur peut révoquer le consultant. Il y a des leviers juridiques pour le faire. Après, parfois, c'est sur des accords, sur des dépenses engagées, etc. Mais ça peut tout à fait se faire. Donc là, en l'espèce, si on considère que ce rapport n'avait pas lieu d'être, il avait tout à fait la possibilité juridique de dire que ce rapport, la mission aurait pu être arrêtée. En plus, il y avait des cas de force majeure, il me semble, parce que le colloque n'avait pas pu avoir lieu, etc. Donc il y avait des leviers juridiques qui n'ont pas été activés par l'acheteur. Dans le cas d'espèce, vous voyez, donc ça. Oui, ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. D'accord. Après, l'acheteur, c'est précisément le ministère. Oui, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Bien d'accord. Donc le ministère aurait pu activer des leviers de recours et il l'a pas fait. Mais plus généralement, est-ce que l'État est satisfait? Enfin, oui, il y a des retours entre donneurs d'ordre et clients, quoi. Des évaluations. Justement, c'est un des apports du rapport, c'est qu'il y a eu des évaluations qui ont été faites et globalement, trois quarts des missions qui sont réalisées sont jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes. Donc il y a pas. Mais bon, après, c'est les personnes qui sont impliquées elles-mêmes dans l'exécution de la mission. Donc l'évaluation, elle est toujours
donnée par celui qui est en proximité avec, avec l'évaluation. Mais globalement, ça marche bien. Et je dirais, que ce soit public ou privé, d'ailleurs, le développement du secteur du conseil en France et dans tous les pays atteste une certaine qualité, puisqu'en fait, on se développe là, on fait 10% de croissance l'année dernière, encore 10% cette année. Donc, en fait, ça veut dire qu'on... Je veux dire, les entreprises privées, elles n'achètent pas des prestations de conseil par plaisir. Elles le font parce qu'elles considèrent que ça leur est utile. Et là, donc, le score qui a été obtenu est plutôt pas mal, en fait. Donc, il n'y a pas de question. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des missions qui peuvent poser problème, mais globalement, il y a un accord de satisfaction générale. Oui. Eliane Assassi, ce n'est pas l'existence des cabinets de conseil que vous remettez en cause, ni même le recours par l'État, par les pouvoirs publics. C'est quoi ? C'est peut-être leur influence sur les politiques publiques ? C'est là que ça devient aussi très intéressant. Il y a cette fameuse question de la transparence qui reste posée, ça, et je pense que les débats parlementaires avec la proposition de loi vont pour le coup essayer d'éclairer ce sujet. Mais oui, on sait. Mais qu'est-ce que vous répondez ? Il y a des connivences, on le sait, les gens se connaissent entre des membres de l'exécutif, voire même au plus haut niveau, et des membres de cabinet conseil, qu'il y a une certaine influence sur les choix. On sait très bien que les cabinets, des cabinets conseil, je vais le dire comme ça, proposent différents scénarios en réponse à la commande qui leur a été faite et qu'ils orientent de toute façon le choix qui doit être donc fait. À la question et du débat, l'État sous influence, vous répondez oui. Oui. Je réponds oui. Qu'est-ce que vous répondez ? Je prends par exemple le plus gros contrat dont on parlait tout à l'heure sur la gestion des parcs de radars automatiques. Est-ce que c'est les consultants qui ont dit qu'il fallait déployer des parcs, des radars ? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça a une influence ? Un des gros dossiers qui a eu lieu sur ces dernières années, c'est le déploiement du prélèvement à la source. Est-ce qu'on imagine que c'est des consultants qui ont dit qu'il fallait faire du prélèvement à la source ? Dans la capacité de réponse à la crise Covid. Le mécanisme, oui. Sur le mécanisme, le fait qu'il y ait le prélèvement à la source, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait des consultants qui aient dit voilà, franchement, ça m'étonnerait. Même façon, donc vous nous dites que le politique garde la main, en quelque sorte. On est toujours au service d'un décideur et on n'a pas de problème, d'ailleurs, à ce que ce soit formalisé encore plus. Je veux dire, nous, ça correspond à la chose. Donc, mais à un moment donné, évidemment, quand on aboutit à une recommandation avec plusieurs scénarios. Bon, c'est le décideur qui décide au travers de ces différents scénarios. Mais la façon de les présenter peut évidemment avoir une influence. Ouais. Je ne vais pas contester ce point-là. Mais vous savez très bien que, par exemple, s'agissant du Conseil de défense, les parlementaires que nous sommes n'étions pas du tout au courant de ce qui était membre de ce Conseil de défense et ce qui se disait dans ce Conseil de défense. Par le Conseil de défense sanitaire, on est sanitaire, bien d'accord, oui, pendant la crise sanitaire. Le Conseil de défense sanitaire. Par contre, on a découvert que le fameux McKinsey produisait des documents destinés au Conseil de défense sanitaire. C'est le document que, document que je montre lors de l'audition de Monsieur Véran. Pour être précis, c'était coproduisait parce que... D'accord, coproduisait, oui, mais bon, excusez-moi, mais nous sommes des parlementaires, nous n'étions même pas au courant de ces missions et nous n'étions pas au courant de ce qui se tramé au sein du Conseil de défense sanitaire. C'est quand même un problème démocratique, me semble-t-il. C'est que un cabinet extérieur privé puisse intervenir sur des choix quand même éminemment stratégiques. Allez, un mot de réponse et là-dessus. D'abord, c'est ultra minoritaire dans l'ensemble des missions qui sont réalisées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils n'ont, à ma connaissance, pas participé aux délibérations. C'est-à-dire qu'en fait, ils produisaient ou coproduisaient des rapports qui étaient soumis aux membres du Conseil de défense, et c'était le Conseil de défense souverain qui décidait derrière. Et je dirais, demain... Mais c'est pour ça que je parlais de transparence. Pourquoi ne le savions-nous pas, tout simplement? Pourquoi ? Je ne crois pas qu'il y avait de secret sur le fait qu'il y avait des cabinets de conseil qui intervenaient. Vous pouvez regarder même, il y avait eu pas mal de choses qui avaient circulé sur les réseaux sociaux déjà à l'époque, parce que dans les slides, les présentations qui étaient montées par Édouard Philippe, il y avait le drapeau italien ou néerlandais qui avait été mis à l'envers, et tout le monde rigolait sur les réseaux sociaux en disant que c'était McKinsey qui les avait fait. Donc, je veux dire, voilà. Mais ce qui est important, c'est que demain, imaginons demain, il y a une attaque de cybersécurité majeure sur le pays. On ne va pas se demander... qui fait quoi ? On va essayer de faire en sorte qu'on ait une réponse efficace. Et c'est ça qui est quand même important. Et là, on est obligé de faire appel à des cabinets de conseil pour avoir une réponse efficace. On n'a pas dans l'administration des gens qui sont en capacité de le faire. C'est une question intéressante. Écoutez, je pense que non, sur certaines techniques d'attaque de cybersécurité, je pense qu'il y a des cabinets qui sont... Non, mais en l'occurrence, là, sur la crise sanitaire... Je pense que, par exemple, on l'avait évoqué lors de mon audition, sur la logistique du grand froid, l'État a fait appel à un cabinet
qui n'avait jamais travaillé pour l'État, qui est spécialisé dans le circuit du grand foie sur les médicaments. Et il fallait absolument... on n'avait jamais fait ça. Au niveau de l'État. Et donc, il fallait une expertise qui permettait de travailler sur la logistique. Allez, je reprends la main une minute parce que ça peut sembler anecdotique, mais c'est en fait symbolique. J'appelle Jérémy Heinzmann à nous rejoindre. Dans la proposition de loi, Jérémy, on trouve un article qui vise à supprimer les anglicismes dans ces rapports et dans les cabinets de conseil. Oui, bah, cet article, c'est l'article 7 hein, de la proposition de loi qui imposerait aux consultants d'employer la langue française dans leurs échanges avec l'administration et la rédaction de leur documents, ils ne pourraient utiliser ni expression ni terme étranger lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens. Au besoin, les documents des consultants pourraient être traduits dans une autre langue, mais en complément de la version française. Mmh. Donc, par exemple, au lieu de benchmark, il faudrait donc dire comparaison. À la place de paperboard, tableau de feuilles détachables. Action simple au résultat rapide au lieu de quick win. Mmh. On peut en faire un autre. Est-ce que vous savez, Thomas, ce que c'est un consultant on the beach ? Pas du tout. Eh bien, c'est un consultant entre deux missions. Voilà, c'est ce qu'il faudrait dire. C'est amusant parce qu'on voit que la langue anglaise ou américaine est quand même très efficace. Il y a beaucoup moins de mots pour dire la même chose. Bref, pourquoi s'attaquer à ce jargon des cabinets de conseil ? Eh bien, dans leur rapport, les sénateurs dénoncent l'emploi de ces termes techniques qui participent, selon eux, à l'opacité dont on parlait d'un certain nombre de missions et donnent en fait une forme de supériorité aux consultants sur l'administration. Et selon plusieurs études de cas qui figurent dans le rapport, des fonctionnaires se disent infantilisés par les concepts anglophones ou les jeux de rôle très utilisés par les cabinets de conseil. Autrement dit, c'est une critique d'un rapport de force et qui est partagée par l'écrivain Nicolas Mathieu, qui figure dans le documentaire de Quentin Calmet et qui, dans son dernier roman, Connemara, s'est intéressé justement au monde des cabinets de conseil et à leur langage. Je vous propose de l'écouter. Comme tous les langages faussement experts, c'est assez ronflant, c'est aussi assez excluant. C'est-à-dire que si on ne le domine pas, si on ne le maîtrise pas, ce vocabulaire, on ne comprend pas ce qui s'y joue. Et puis, ça impose aussi une manière de penser. C'est un pouvoir en soi, cette langue. Et une fois qu'elle vous est passée au travers, une fois que vous la parlez, couramment, il y a des choses qui ne vous sont plus autorisées. C'est-à-dire il y a des choses que vous ne pouvez plus penser. C'est comme ça que ça fonctionne, un langage expert. Alors, un langage Startup Nation, on l'a compris dans le viseur de cette proposition de loi, mais qui existe aussi, on a cherché dans les rapports du Sénat. Par exemple, dans le rapport d'information « Refonder l'écosystème français-européen de l'innovation en santé » du 23 juin 2021, un peu au hasard, il y en a d'autres, on trouve des anglicismes, des propositions qui reprennent les termes « benchmark »,« horizon scanning » ou encore « fast track ». Donc, le Sénat peut peut-être aussi nettoyer ses rapports. Très bien, merci. C'est pas faux. Jérémy, bon, ça vous acceptez. C'est pas seulement, je le disais, c'est pas seulement symbolique. Non, mais c'est ce que disait Nicolas Mathieu. Il y a une question de prise de pouvoir, quand même. Vous voilà, le ressentez comme tel ? Oui, oui, oui. C'est simplement le langage d'un secteur. Parce les deux, j'ose dire, c'est les deux. Hein. Moi, je vais vous faire un aveu. Je présente des émissions sur une chaîne Écho et je suis quand même frappé par ça. Quoi. C'est-à-dire que parfois, on se donne un petit côté cool en employant des anglicismes ou alors... Oui, évidemment. Ou alors on utilise des termes anglais pour donner son titre. On est CEO, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais alors d'abord, je ne crois pas que ce soit lié au cabinet de conseil. C'est le vocabulaire managérial d'ensemble. Oui. Et puis, le deuxième point, moi, je peux vous dire, nous, on travaille beaucoup au Québec. Moi, j'ai plus de 100 personnes au Québec. Et on a appris à tout traduire en français. Par exemple, le mot de cloud, c'est infonuage, si ça vous intéresse. Ouais. Et donc, en fait, je suis prêt à vous vendre une mission pour faire toute la traduction qui consistera. Très drôle. Bon. J'adore. Ouais, bien joué. On va regarder un autre extrait de votre documentaire sur la doctrine de gouvernement. Y avait-il attaque le dur. Une doctrine de gouvernement en matière de recours au cabinet. Regardez. Les sénateurs interrogent une personne clé, extrêmement discrète, la secrétaire générale du gouvernement. Claire Landais est inconnue du grand public et pourtant son rôle est crucial pour coordonner l'exécutif. Qui est une administration qui soit chargée de contrôler cette volumétrie, de considérer que est-ce que justement c'est à bon escient ou pas, ça n'est pas le cas pour l'ensemble de ces prestations. Elle nous confirme ce que nous avions déjà plus ou moins entendu avec d'autres grands
de hauts fonctionnaires de l'État, à savoir qu'il n'y a aucune vision centralisée de la consommation de production de cabinets de conseil. Elle va même nous dire tout de suite après qu'il n'y a pas de doctrine et qu'elle doute qu'une doctrine soit même possible ou utile. Quentin, qui est cet haut fonctionnaire Claire Landais ? Donc secrétaire générale du gouvernement, elle est très peu connue du grand public. C'est quand même, elle est à la tête d'une équipe de 110 personnes qui est en charge de coordonner l'action du gouvernement, hein, qui est notamment là pour faire une aide juridique sur l'écriture des projets de loi du gouvernement. Mmh. Et donc les sénateurs, ils l'interrogent assez tôt dans les auditions, le 5 janvier. Ils pensent avoir en face d'eux une personne qui va leur donner la doctrine de comment est-ce qu'on recourt au cabinet de conseil, qui est-ce qui surveille, qui chapeaute tout ça. Et en fait, ils se rendent compte que cette personne-là va leur faire un aveu, hein. C'est cet aveu qu'on entend. Ouais, il n'y en a pas, quoi. Voilà, c'est qu'il n'y a aucune doctrine, il n'y a aucune tour de contrôle. Et même, elle dit que pour elle, ce n'est pas faisable. Que ce serait, elle utilise un terme, que ce serait très, très compliqué de le mettre en place pour le gouvernement. Et alors que cette déclaration, ensuite, lorsque les sénateurs vont la mettre à côté de celle des ministres, notamment celle d'Amélie de Montchalin en charge de la fonction publique, qui, elle, va leur dire « si, si, tout va bien, il y a une doctrine, et d'ailleurs, on vient de la mettre à jour avec la fameuse circulaire. Circuler, il n'y a rien à voir. » Et bien, les sénateurs viennent de faire une démonstration via deux auditions que là, il y avait un hiatus. Juste pour le téléspectateur, c'est le plus haut rouage de l'État, hein. Le SGG, c'est... Oui, c'est pour le gouvernement, parce qu'après, il y a l'Élysée, on dit secrétaire général de l'Élysée, ouais, là, ça doit être encore au-dessus. Le secrétaire de l'SGG, c'est quand même un des plus, plus haut fonctionnaire de France. C'est l'un des bras droits du Premier ministre. Donc, l'objectif de votre loi, c'est de créer une doctrine, en quelque sorte, oui, ou donner les outils pour le faire. Fous, d'abord, de créer des garde-fous, et puis, effectivement, d'essayer de travailler, de proposer une doctrine visant à l'encadrement du recours à ces cabinets conseils. Voilà, c'est pas... Je le répète, cette proposition de loi n'a pas vocation à tuer les cabinets conseils. Oui, on a bien compris. Mathieu Courtois, est-ce qu'il faut une doctrine ? Il y a déjà une doctrine. En fait, elle est d'ailleurs régie plutôt par les marchés publics européens. Parce qu'en réalité, tous les marchés sur lesquels on postule sont régis par ça. Et ça, c'est un point d'attention, notamment par rapport au projet de loi, c'est qu'il soit conforme au droit européen, et notamment parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation, pour faire simple, pour n'importe quel marché aujourd'hui de conseil, vous pouvez postuler que vous soyez un cabinet français avec un établissement stable en France, ou vous pouvez être un cabinet belge ou allemand. Et il ne faudrait pas que les contraintes qui s'appliquent aux cabinets français soient supérieures à ceux qui s'appliquent aux cabinets d'autres pays européens. Une surinterprétation de la norme ? Non, c'est pas ça. Non. C'est que, par exemple, là, il est indiqué dans le projet de loi qu'il y aura des déclarations d'intérêt à faire avec, ou un référentiel ANSSI pour la sécurité. Or, à ma connaissance, et pour la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique et pour l'ANSSI, ils n'ont pas des pouvoirs de sanction ou d'audit ou d'instruction sur les personnes qui ne sont pas sur le territoire, le territoire français. Donc, ça voudrait dire que, concrètement, si il y a deux cabinets qui postulent, un cabinet 100% français et un cabinet étranger qui postule, eh bien, il ne sera pas soumis aux mêmes réglementations. Donc, il faut faire attention. Donc, ça, c'est un travail qu'on va essayer de faire maintenant ensemble pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas une distorsion de concurrence et qu'on puisse aboutir à quelque chose qui soit calibré et responsable. Ouais. Cette proposition de loi, qu'est-ce qu'elle devient ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, cette proposition de loi, nous avons écrit à Madame la Première Ministre la semaine dernière pour lui demander d'inscrire en procédure accélérée ce texte, de mettre ce texte à l'ordre du jour du gouvernement. En juillet. Au mois de juillet, en procédure accélérée, au mois de juillet. Pour l'heure, nous n'avons pas de réponse. Si tel n'est pas le cas, je ne pense pas qu'elle puisse dire non, mais si tel n'est pas le cas, de toute façon, nous déposerons en séance publique cette proposition de loi dans le cadre d'une semaine sénatoriale. D'accord. Et elle sera de toute façon débattue. Et ce sera sans doute à l'automne. Merci beaucoup d'avoir participé tous à ce débat. Cabinet de conseil, l'État sous influence. C'est donc votre documentaire, Quentin, à voir ce samedi 25, 17h30, première diffusion sur Public Sénat.